Bonjour à tous et bienvenue sur ID Books. Alors on a reçu à la rédaction le Oppo A94 5G. C'est le nouveau représentant du milieu de gamme chez Oppo. Il vient de sortir là, il vient juste de sortir, donc on se propose de vous le faire découvrir. Oups. Alors c'est un smartphone super fin. Oppo a fait vraiment du beau travail, il fait 7,8 mm d'épaisseur. Et comme vous pouvez voir, le bloc caméra dépasse à peine. Vraiment, il dépasse très très peu. Il est aussi très léger, il fait 173 grammes. C'est une belle prouesse. Donc, en bas, on trouve une prise audio jack, une prise USB-C, un haut-parleur. Vraiment très beau smartphone, avec des beaux effets. Voilà. De l'autre côté, hops, on a un très bel écran AMOLED avec le lecteur d'empreintes qui verrouille très vite le smartphone. Et donc c'est un écran AMOLED qui fait 6,43 pouces avec une toute petite perforation pour la caméra frontale. Donc elle occupe la dalle plus de 90% sur la surface. Alors on trouve sous le capot un processeur MediaTek Dimensity 800U. On devrait avoir aucun problème pour jouer. Il est assisté par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. C'est de la RAM DDR4. Et l'écran aussi, oui, j'ai oublié de le dire, le taux de rafraîchissement est de 60 Hz. Derrière, on trouve une quadruple caméra dans un bloc compact, assez joli. Donc cette quadruple caméra, elle est composée d'un capteur principal de 48 MP, d'un ultra grand angle de 8 MP, d'un capteur monochrome de 2 MP et d'un objectif macro de 2 MP aussi. Bon, c'est la combinaison classique hein, en ce moment. Donc on verra ce que ça donne dans le test complet. On a fait des petits tests vidéo. Il peut filmer en 4K en 30 FPS. J'en profite de ce magnifique ciel bleu pour vous montrer les capacités vidéo du smartphone d'Oppo. Là, on filme en 4K en 30 images par seconde. On vous montre une petite place parisienne avec un splendide arbre et le ciel très très bleu. Donc je vais bouger un peu vite pour vous montrer la stabilisation du smartphone. Oups. Voilà. Arbre magnifique. Donc voilà. Au niveau de la batterie, on trouve une batterie de 4310 mAh. Et elle est compatible avec la recharge rapide 30 watts. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est un beau produit avec de très belles finitions. Vous pouvez voir les effets. On va passer en mode photo. Là, on est en extérieur, vous pouvez voir qu'on peut regarder le smartphone sans aucun problème. On va même se mettre au soleil et on peut voir le smartphone au soleil. Comme vous pouvez le voir, on peut utiliser le smartphone sans aucun problème. Donc voilà, je vous donne rendez-vous très vite sur ID Books pour le texte complet, pour le test complet du smartphone. Le Oppo A94 5G. Voilà, ciao!